Qu'avez-vous appris d'une épreuve que vous souhaiteriez partager ? Qu'avez-vous appris d'une épreuve que vous souhaiteriez partager ? Qu'avez-vous appris d'une épreuve que vous souhaiteriez partager ? Wow. En fait, j'ai déménagé de Paris pour venir vivre à Bordeaux, donc j'ai tout lâché pour m'installer ici et recommencer une nouvelle carrière, me lancer toute seule. Je suis d'origine autrichienne et j'avais décidé de passer une année à l'étranger. Je suis arrivée ici en 2008 pour finir mon master. Vivre une année dans la légèreté à l'étranger, à Paris en plus. L'entrée sur le marché du travail s'est pas passée comme prévu. Enfin, comme prévu, comme espéré. Rien n'allait et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je parte loin. Finalement, quand on part vivre ailleurs, on se construit presque une nouvelle identité. C'est jamais facile de tout laisser derrière et de se construire en fait dans un autre endroit. Je me suis retrouvée toute seule, j'avais pas vraiment d'amis. Et c'est comme si j'étais tombée de cheval avant d'avoir commencé la course. Je pensais que j'avais la vie devant moi, que j'allais pouvoir faire tout ce que je voulais. Je l'ai très mal vécu et j'ai commencé par me renfermer, voir pas grand monde. Et j'ai commencé des études qui m'ont pas plu, j'ai arrêté ces études. J'ai passé pas mal de mois comme ça où en fait j'avais plus trop la notion du temps finalement. J'ai trouvé un petit boulot qui m'a pas plu, j'ai arrêté ce petit boulot. J'ai senti que c'était assez néfaste en fait. J'ai eu une bonne période de creux. Psychologiquement c'est devenu assez dur. Je faisais plus rien, je croyais plus en rien, j'hésitais même entre les nouilles et le riz. J'ai créé ma boîte en 2008 et après 2 ans d'activité à peu près normale, il y a eu une expérience un peu douloureuse. Je considère un petit peu cette expérience comme les montagnes russes de l'audiovisuel. Pour moi, c'était presque un échec. Moi, je m'occupais de faire des ateliers photo. Parce qu'avoir tout de suite beaucoup de responsabilités et gérer une équipe, c'était très différent des films de copains que je faisais avant. J'étais détaché par l'armée. Auprès d'une association de réinsertion des handicapés. Enfin, moi, j'étais un peu l'ovni dans ma famille. Et au début, j'avais vraiment des a priori. J'ai adoré lire hyper tôt, alors que dans ma famille, personne n'avait fait d'études, ni rien, donc c'était un peu... J'ai eu des petites différences quand je suis né. Je parlais pas très bien, je marchais pas très bien. Et... C'est dur, en fait, de parler de ces trucs, finalement. On donnait pas très cher de ma peau. Je faisais partie des 0,001 de boursiers, fils d'employés. J'avais pas un schéma familial qui me faisait... rêver d'être maman, installée, mariée, etc. Pas trop comme les autres, et puis toi tu voyages pas pendant tes vacances, tu travailles, tout ça. Je suis partie à Rome, je me suis installée là-bas. Je me suis fait renverser par une voiture à Saint-Aleur, projetée 6 mètres. J'ai eu un accident de scooter. Rien qu'une fracture. J'ai dû rentrer en France me faire soigner. Je me dis mais pff, moi je suis en train de passer mon bac là. Pourquoi ça m'arrive maintenant et pourquoi à moi ? J'ai terminé mes études en Angleterre. Il y a 3 ans, ma mère a eu un double cancer. Je suis rentrée à Bordeaux parce qu'une personne de ma famille était malade. Donc ça a été une étape assez difficile. Là, il a fallu que je redéfinisse toute ma vie. Et surtout, je me suis rendu compte que ma mère, je l'aimais énormément, mais je ne lui avais jamais dit. Je me suis retrouvée avec des gamins un peu foutu à vie, certains, tu vois, et je me suis dit comment ça se fait que j'ai autant de chance, en fait. Je me suis assise et j'ai pleuré. J'ai dit je sais plus quoi faire, je ne sais pas. J'étais paumée. Et puis finalement, je vais être consciente de ma chance. J'étais en France, j'étais biologiste, et puis il a fallu que je parte en Asie. C'était juste surréaliste. Là-bas, ben, je pouvais pas exercer mon métier. Et du coup, ça m'a fait poser des questions aussi sur mon pays, sur moi-même. Et j'ai pris le risque, parce que c'est pas du tout mon domaine. Je me suis retrouvée à la tête d'un département de langue, d'un lycée international. C'était quelque chose qui m'a fait totalement grandir, parce que finalement... J'ai découvert un métier. J'ai décidé de quitter cette société de production pour redevenir un technicien. Sur le moment, c'était pas forcément évident à vivre, parce que tu te sens un peu en décalage. J'ai eu des bagues pendant 3 ans. Et les gens qui me critiquaient étaient vraiment vicieux avec moi. Aujourd'hui, je suis là, je suis debout. Bah, j'ai appris que justement, c'est pas grave ce que les médecins disaient, c'est pas grave ce que les autres disaient, on pouvait toujours progresser. Les gens, enfin, faut pas trop en soucier parce que ils savent que t'es belle et tout, donc ils ont un moyen de te critiquer. C'est gentil. Et puis peut-être avoir un peu d'épaisseur, un peu d'ego. C'est passé par une visite chez une psy pendant plusieurs mois. Ça m'a fait grandir beaucoup, vite d'un coup. De repartir de zéro, d'être celle que je voulais être à ce moment-là.
fait, ça m'a donné ce goût de l'effort et la notion du mérite aussi. Alors, je me suis mise à jouer au rugby beaucoup. Pour le coup, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir la vie devant moi et de pouvoir faire ce que je voulais. J'ai découvert des gens qui avaient un système de valeurs qui était complètement différent du mien. Par contre, en tant que technicien, je pouvais faire mon travail de manière parfaite. Et sauf que maintenant, je vais remonter à Paris. C'est vrai? Oui. Pourquoi? J'ai appris beaucoup sur moi-même. J'ai appris que je savais me débrouiller toute seule, que j'arrivais à rencontrer des gens facilement, malgré ma timidité. J'ai repris une formation dans la formation continue. Et j'avais très très peur des chameaux. Mais vraiment une peur effroyable des chameaux. J'ai rien appris. Ça m'a juste sauvé parce que ça m'a remis en selle. Donc je suis montée sur ce chameau et alors là j'ai senti vraiment une super belle énergie. Je me suis sentie en hauteur et j'avais une vue sur le désert magnifique. En fait, grâce à ça, j'ai repris confiance. Et après, il n'y a plus de problème. Là, j'avais l'impression vraiment d'avoir lâché quelque chose de moi. Plein de peurs que je peux avoir dans la vie courante. Et en fait, il y a quelqu'un qui s'est arrêté, qui me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» c'est pas grave, vous ne mettez pas dans ces états-là. Et il m'a dit « Tu viens sûrement de Klagenfurt, qui est donc ma ville natale. » Et en fait, il ne connaissait que cette ville-là. Et du coup, j'étais quand même assez surprise et depuis, on ne s'est pas quitté. Et je me suis retrouvée photographe. Et ça a été la grosse révélation pour moi, je me suis éclatée dès que je suis arrivée. Ça m'a donné vraiment un autre regard sur le monde et sur la façon de communiquer avec les gens. Et en fait, il se passe toujours un truc qui fait que même au plus bas, même quand t'as rien, t'as toujours quelqu'un qui arrive et qui dit « Je peux vous aider ?» Depuis ce temps-là, en fait, je mets plus d'étiquette. Et finalement, j'ai une vie de rêve aujourd'hui et que je j'espérais pas forcément, quoi. Et maintenant, je suis de nouveau réalisateur, en étant un technicien accompli. Et j'en suis fier. Mais c'est vrai que j'ai pas peur de ce qui peut m'arriver demain, parce que je sais que j'ai été capable déjà de m'en sortir et de me débrouiller comme ça. Et ça rend un petit peu fier aussi. Une fois revenue en France, j'avais l'expérience, mais j'avais pas les diplômes. Et donc, je me suis encore remise en question. Et j'ai encore changé de métier. Peut-être à 50 ans, je reprendrai mes études, ouais. Je ferai complètement autre chose. Mais je trouve que ça donne un sentiment de liberté. Je me suis dit, quitte à faire quelque chose, autant faire quelque chose qui me plaît. Mais surtout, là où je suis le plus heureux par rapport à ce que je faisais avant, c'est que je peux organiser ma vie comme je l'entends. Je pense que c'est pour moi le début d'une belle vie, moins ancrée dans le quotidien des choses et plus tournée vers le plaisir de la vie. Peu importe ce qui nous arrive, l'idée c'est de pouvoir le transformer. On apprend aussi à se dire que on est tous des hommes, qu'on a tous besoin des uns et des autres. Je crois que les fêlures, ça aide aussi à aller plus loin et à comprendre aussi l'autre. Moi je me dis qu'au jour le jour, en fait, on se construit, c'est comme des pierres qu'on empile les unes sur les autres. Et... Moi je crois que c'est ça que j'ai appris, à pas lâcher et à garder et entretenir la volonté. Ce qui est très important, c'est de faire confiance à tout prix et a priori. Ba-da-ba-ba. Ba-da-ba-da-ba.